Good morgen, allez, Ida, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, mon rire, Bishmol, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Richa Batraim Nechemia, ainsi que l'Irfouat Avraham Ori Ben Reut Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Zvachim, Perek Zain, Mishnahe, Malak Basmol, O Balaila, Shachat Chulin Bifnim, Bekodashim Bachutz, Einan Metam In Bevet Abliya, Malak Besakin, מלאק חולין בפנים, וקודשים בחוץ, תורין שלא הגיע זמנן, ובני יונה שעבר זמנן, שיבש גפה ושנשמת עינה, ושנקטעה רגלה, מטמא בבית הבליה. זה הכלל. כל שהיה פסולה בקודש, אינה מטמא בבית הבליה. לא היה פסולה בקודש, מטמא בבית הבליה. וכל הפסולין שמלקו מליקתן פסולה, ואינן מטמאות בבית הבליה. Avant d'expliquer la Mishnah d'abord, un rappel par rapport à Ilchot Touma Vetahara. On avait appris qu'un animal bovin, ovin, une vache, un mouton qui meurt sans avoir eu la shrita, si on le touche, on devient impur. Ce qui n'est pas le cas pour les volailles. Les volailles, on ne devient pas impur lorsqu'on les touche. Si on va prendre un poulet qui est mort sans avoir eu la shrita, alors l'impureté qu'il véhicule, il véhicule une impureté, mais pas lorsqu'on touche, mais uniquement lorsqu'on l'avale. Si on va le manger, on va devenir impur. C'est ce qu'on appelle la touma bebet ablia, la touma qui est véhiculée lorsque la nourriture arrive dans le gosier. Bet ablia, boler, livloa, c'est avaler. Lorsqu'on avale, donc c'est dans le gosier. Lorsqu'on avale. Ok, ça, on ferme la petite parenthèse, on commence à attaquer la Mishnah. Maintenant, on va s'attacher à... C'est une Mishnah super intéressante, mais vraiment très agréable. Il y a beaucoup de l'omdes à l'intérieur de ça. Le principe, regardez, il y a quelque chose de très original qui se passe au Bet Amigdash. C'est que la manière d'abattre les volailles, qui sont les taurim et les bneyona, donc les tourterelles et les pigeons, c'est un rituel qui rend, en temps normal, la volaille tréfa. Pour deux, voire trois raisons. C'est-à-dire, lorsque je veux égorger un poulet, par exemple, je dois aller faire la shrita. Je prends un couteau bien aiguisé, et je prends au niveau du cou, je lui fais un va-et-vient avec le couteau, jusqu'à ce que le couteau s'enfonce, et je lui coupe la trachée artère ou l'œsophage pour le poulet, c'est pas la peine de dégorger les deux, on peut même faire les deux, c'est pas ok. Si toutefois, et maintenant, vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait la Mélika, on avait bien expliqué avec le petit Mickey, ouais, on avait fait une démonstration, on lui fait passer par la nuque, et le Kohen il prend son ongle, et il va enfoncer son ongle jusqu'à qu'il va lui couper la mafrequette, et lui couper ensuite les simanimes, la mafrequette. C'est, je sais pas comment ça se dit en français, le haut de la colonne vertébrale là. Là où on se fait le coup du lapin, chez le Rechevgen, d'accord, la nuque, quoi, qui se casse. Donc ça, c'est la nuque. Et on prend, le Kohen, il prend son oncle, il lui casse la nuque, et il enfonce jusqu'à qu'il arrive au simanim. Il y a, dans ce rituel-là, si on faisait la même chose avec un poulet, alors je vous garantis que vous mangerez un poulet taref pour trois bonnes raisons. Deux, voire trois. Il y en a une, je ne suis pas sûr de mon coup à 100%, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, si je prends mon ongle, et je l'enfonce tel quel dans un poulet, il devient taref pour trois excellentes raisons. Tout d'abord, parce que je lui casse la mafrequette, je lui casse la nuque avant d'arriver au simanim. On a une halakha qu'on t'a demandé de prendre un couteau et de lui couper les simanim. Tu dois lui couper la trachée artère et l'œsophage, ouais, le canet, le véchette. Tu dois lui couper jusqu'à que tu coupes la majorité, qui, comme ça il va mourir. Mais si tu passes par la nuque, dès que tu vas lui couper la nuque, il va déjà être taref, il va être invalide. Et après, tu arrives au simanim. C'est trop tard. C'est comme si, en même temps, vous lui mettez une balle dans la tête et en même temps, vous lui faites la shrita. C'est pas bon. S'il meurt, vous le rendez taref instantanément. En même temps, il faut que ce soit la shrita qui va tuer le poulet. Or, si vous allez le tuer pour une autre raison, parce que vous lui coupez la mafrequette, ça devient invalide totalement. D'accord? À part ça, vous utilisez votre doigt. Il y a une halakha, comment on fait une shrita? On apprend ça d'Avraham Avinu. Qu'il faut prendre un mitaltel, un couteau, qui est un ustensile, un objet, mais pas avec votre corps. Imaginez, j'ai les dents aiguisées, je vais faire la shrita avec les dents. C'est pas bon de faire ça. Et la même chose aussi avec mon ongle. Je dois nécessairement prendre un mitaltel. Et sinon, c'est taref, en temps normal. Ouais, je parle d'un poulet classique dans mon poulailler. Troisième bonne raison encore, c'est sur ça que j'ai un doute sur la Mélika. J'ai presque pas de doute, mais en fait, j'ai pas envie de trop m'engager, j'ai pas envie de dire des erreurs. Donc je préfère me laisser un petit crédit au cas où. Mais en tout cas, il y a des halakhot, comment est-ce qu'on fait une shrita? Je veux dire, on va faire le va-et-vient sur le siman jusqu'à qu'on le coupe. On peut en aucun cas prendre le couteau et l'enfoncer.
Il y a plusieurs halakhot qu'on apprendra dans l'Hilchot Shrita, quand on arrivera dans la Masechet Chulin, Bezrat Hashem. On a déjà entamé un bon morceau de Zvachim, il nous reste Zvachim, après Menachot, Chulin. Quand on arrivera dans Masechet Chulin, on apprendra toutes les halakhot de Hagrama, plusieurs noms, Khalada, plusieurs halakhot qui vont faire qu'on n'a pas le droit d'égorger en enfonçant un couteau tel quel. Il faut nécessairement couper harmonieusement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vérifie que le couteau, qu'il n'ait pas d'aucune bgima, qu'il soit bien lisse, de peur que le couteau il va se mettre à arracher le siman. Il faut nécessairement. Il y a de l'achot comment on procède, comment on fait une shrita. Or là, quand on fait la melika, tel que j'ai compris, eh ben, le kohen il s'amuse pas à faire le va-et-vient avec son doigt. Il enfonce tel quel, donc il l'étouffe. Il étouffe en lui coupant la trachée artère, en passant par la mafraquette avec son doigt. Ça fait trois bonnes raisons d'être taref, et malgré tout, la Torah lui a dit, tu fais comme ça ici, et tu fais pas comme ça dehors. Tu fais comme ça au Beth Amikdash, c'est comme ça que c'est kasher, et tu fais pas comme ça en dehors du Beth Amikdash, parce que ce sera taref. Et si, regardez maintenant la puissance, si vous allez faire un korban tel quel, à l'intérieur du Beth Amikdash, vous allez au Beth Amikdash, vous allez vous mettre à égorger votre Torim, ou Bnei Yona, votre Ola, et bien la Torah me dit, ben, sache que là, cette fois-ci, lui va devenir taref. Pourquoi ? Pour quelle raison ? C'est très simple. Être taref ou pas taref, ça dépend de ce qu'Hachem veut de nous. Lorsqu'Hachem nous dit tu fais comme ça et c'est pas taref, alors on fait comme ça et c'est pas taref. Et si tu as taref, c'est un animal qui est mort sans shrita, d'accord ? À l'inverse d'un animal abattu sans shrita, mort tel quel, ça s'appelle un animal taref, d'accord ? Donc je reviens. La Torah m'a dit, si tu procèdes de la sorte, c'est kasher. Tu procèdes autrement de ce que je t'ai demandé de faire, c'est taref. Et la Torah m'a dit, en dehors du Beth Amikdash, pour ta consommation personnelle, c'est comme ça que tu égorges, avec un couteau, et comme ça c'est kasher. Et si tu vas te mettre à faire une melika en lui enfonçant ton ongle dedans, ou peu importe, taref, ça véhicule l'impureté lorsque tu vas la manger. Au Beth Amikdash, c'est tout le contraire. Je t'ai demandé de prendre l'ongle, et de l'enfoncer comme ça, et c'est comme ça que ce sera kasher. Et si tu vas prendre le couteau, ce sera taref, et donc... Quelle est l'importance ? C'est celui qui va le manger, il va devenir impur, il va véhiculer l'impureté, parce que l'animal, c'est un animal qui est mort sans abattage rituel. Donc en fait, le rituel, l'abattage rituel, il a une manière de procéder en dehors du Beth Amikdash, il y a une manière de procéder au Beth Amikdash, et il ne faut surtout pas les entrecroiser. Ça, c'est le principe général de la Mishnah, la base de la Mishnah. Maintenant, le jeu de la Mishnah va être d'entrer dans toutes sortes de situations pour me dire que... Sache que parfois, au Beth Amikdash, tu vas faire des corbanotes mal, tu vas mal les faire, et malgré tout, ils vont plus véhiculer d'impureté si tu leur fais la melika, tandis qu'ils vont véhiculer l'impureté si tu leur fais la shrita. Et inversement, en dehors du Beth Amikdash aussi, il va y avoir certaines situations, où au contraire, si tu vas faire la melika, il ne va pas véhiculer l'impureté, alors que si tu lui fais la shrita, il va véhiculer l'impureté. C'est tout le principe de notre Mishnah. D'accord ? On va y aller, Bezrat Hashem, on va y aller assez concisément. Vous avez compris quand même l'idée, d'accord ? L'idée, ça va être de jouer. Je vais prendre un exemple. Imaginez par exemple que la Torah m'a dit, tu dois amener des Torim ou Bnei Yona. Voilà, ça va être amené en plein milieu de la Mishnah, comme ça je vous introduis quand on va y arriver. Torim ou Bnei Yona, des tourterelles et des Bnei Yona, des pigeons. Vous faites attention que je dis le mot Bnei Yona. Un pigeon, ça se dit une Yona. Pourquoi on dit Bnei Yona ? De là, par exemple, Chachamim vont apprendre des halakhot sur l'âge des tourterelles. Il y a une Mishnah dans Choline qui va nous dire Kasher Betorim, Masol Bionona, Kasher Bionona, Masol Betorim. C'est-à-dire, quand je te dis Bnei Yona, ça veut dire des petits Yona, jusqu'à un an. Et quand je te dis Torim, ça veut dire pas des Bnei Torim, des tourterelles grandes, plus qu'un an. Donc on va se retrouver avec des tourterelles adultes, c'est ce que tu dois prendre pour faire un corban, et des pigeons petits, dans la première année, c'est eux que tu dois prendre pour faire le corban, et pas les inverser. D'où la question. Imaginez, j'ai amené un pigeon grand, adulte, pour faire un corban. J'ai été Makdishoto, je l'ai amené, et je ne savais pas. Et le Kohen, il n'a pas fait attention, et il a égorgé. Est-ce que maintenant, ce corban-là, il est taref ou il est kasher ? Il a fait une melika. Il a fait une melika, mais il n'était pas apte à être monté, à être offert en corban. De ce fait, est-ce qu'on considère que pour un tel animal, c'est la melika qui va lui annuler malgré tout son statut. Est-ce que la Melika va aider, contribuer à lui annuler le statut de taref, pour que celui qui le mange, il va
au moins pas être tamé, il va transgresser plein d'interdits. On n'est pas dans notre problème. Le problème de Mishnah n'est pas d'expliquer ce qui est un interdit ou pas. Bien sûr que ce sera interdit de manger. C'est kadosh, ça doit être brûlé, ça doit être. Il y a toute la lachot. Là n'est pas le problème. Notre question, elle est juste de savoir est-ce qu'il véhicule l'impureté ou non. D'accord? Ça va être ça tout le sujet de notre Mishnah. On va commencer doucement. Malak Bismol, première série de la Mishnah, va être de me dire sache que. On va mentionner toute une série de korbanot, de rituels que tu vas mal procéder, à qui tu vas faire la melika, et malgré tout, ils ne vont plus véhiculer l'impureté. Qui sont ? Malak Bismol, il y a une halakha que tout Kohen, il doit faire la avoda Beyamin. C'est déduit de plusieurs endroits. Il doit travailler avec la main droite lorsqu'il est droitier. Parce qu'il est gaucher, apparemment, il doit travailler avec la main gauche. Mais lorsqu'il est droitier, il doit travailler avec la main droite. Donc lorsqu'il fait la melika, il doit enfoncer l'ongle droit. S'il va enfoncer l'ongle gauche, alors là, il a invalidé le korban. C'est vrai. Mais, alors, dans ce cas-là, est-ce que le korban, malgré tout, la shrita, la mauvaise shrita, c'est-à-dire la mauvaise melika qu'il a fait, est-ce qu'elle va quand même servir à faire que, malgré tout, l'animal, il n'est pas mort par une mort naturelle, pas, il n'est pas devenu taref, mais il a été nimlak, il a eu la melika comme il fallait, même s'il y a eu des problèmes de gdusha. Il y a ce qu'on appelle un psoul bakodesh, comme ce que ça va être la règle générale de la généralité de la Mishnah à la fin. Il a eu un psoul bakodesh, il a été mal fait. Mais par rapport à l'acte de Melika, il est venu pour maintenant me dire que sache que cet animal, il est plus mort par une mort naturelle. Ça va être effectivement comme ça. Ou encore, au balayla, il y a une halakha que les korbanot, ils doivent être offerts dans la journée. Jusqu'à la tombée de la nuit, beyom tsavoto, c'est déduit d'un pasouk. Si tu fais un korban la nuit, le korban, il est invalidé. Mais malgré tout, la Mishnah va me dire, mais sache que malgré tout, lorsque tu leur fais la melika, il a été invalidé, ça veut dire qu'il a eu un problème, il a été mal fait, t'as mal fait la mitzvah de le faire, mais malgré tout, concrètement, il n'est plus taref. Il a eu une melika comme il se doit, il y a eu ce qu'on appelle un psoul bakodesh, de nouveau. Chat choulin bifnim. Il a égorgé un animal choulin, un pigeon choulin, profane, bifnim. Par exemple, j'étais venu par exemple au Bedami. Non, sans rentrer trop d'exemples. Je rapporte juste une halakha que un animal, on n'a pas le droit de l'égorger au Bedamigdash. Un animal qui n'est pas kadosh, qu'on n'est pas en train de faire un korban, on n'a pas le droit de l'amener au Bedamigdash pour l'égorger, pour la consommation personnelle. Et il devient interdit à la consommation si on l'égorge à l'intérieur. D'accord ? C'est une donnée à savoir. Si je viens avec ma vache à l'intérieur du Bedamigdash, je l'égorge. Elle est interdite à la consommation, je n'ai plus le droit de la manger. Même si elle n'était pas kadosh, ouais. C'est pas un korban, c'était rien du tout, il faut aller les brûler. D'accord ? Maintenant, la Mishnah me dit, ben, sache que, si tu as pris des choulin bifnim, tu as pris choulin profane, un animal, un pigeon, par exemple, qui n'était pas kadosh, c'était pas un korban, tu l'as amené à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, et tu l'as égorgé là-bas, avec un couteau cette fois-ci. Eh ben, sache que malgré tout, tu n'auras pas le droit de le manger, certes, mais la shrita a fonctionné, a contribué à faire que maintenant, ce n'est plus un animal qui est mort naturellement, mais qui a plutôt été égorgé, donc il ne véhicule plus l'impureté de nouveau. Idem encore, vekodashim bachutz. C'est-à-dire, il a pris des animaux kochim, sains, d'accord, les korbanot, et il les a égorgés à l'extérieur du Beth Amikdash. On ne parle plus de poulet ou de bnei yona, j'ai pas vu, je ne pense pas qu'on parle d'eux. D'accord ? Tel que ça a rapporté, je n'ai pas envie de m'engager, donc je pense qu'on parle uniquement d'animaux. Il a pris une vache, par exemple, il a, en dehors du Beth Amikdash, il l'a égorgé. En théorie, c'est un grave interdit. D'accord ? C'est un grave interdit, il a invalidé le korban, il faudra le brûler, il aura transgressé un interdit en plus de shrut et chutz, ça s'appelle. Et bien malgré tout, la Mishnah m'enseigne, sache que la shrita qu'il a fait a contribué à fait que l'animal n'est plus mort par voie naturelle. D'accord ? Dans tous ces cas de figure, Einan metam'in bebet abli'a. Tous ces korbanot ne vont. Tous ces cas de figure où tu as abattu l'animal de pas comme la halakha le requiert, et donc tu les as interdits à la consommation même, malgré tout, ils ne vont plus véhiculer l'impureté. Pourquoi ? Parce que pour les deux premiers cas, c'était que lorsque tu as fait Malak Bismol et Malak Balayla, tu as fait la melika du poulet, du torim, du pigeon. À l'intérieur, dans l'enceinte du Beth Amikdash, mais la nuit, ou encore avec le pouce gauche, alors, malgré tout, l'animal, concrètement, il a été abattu, alors, comme par l'action que la Torah requiert de faire. Tu l'as choisi à un mauvais moment, c'est vrai.
C'est certain, donc le corban, tu ne vas plus pouvoir le faire monter sur le misbéach, il va falloir le... Mais malgré tout, il a été abattu, comme le rituel l'impose par rapport à l'action elle-même d'abattre. D'accord ? Et inversement aussi, lorsque tu as fait la shrita des choulin à l'intérieur de l'enceinte, et ou de kochim, d'animaux, de sacrifices, mais en dehors du Beth Amikdash, que malgré tout, l'acte par lequel tu as abattu l'animal fait que maintenant, ce n'est plus un animal qui est mort par voie naturelle, mais c'est un animal qui a été abattu comme le rituel de la Torah le requiert. Même si, pour des conditions externes, tu vas plus pouvoir le consommer. À la différence de Malak Besakin, il est entré, littéralement, il a fait la Melika avec un couteau. C'est-à-dire, la Melika, littéralement, le mot Melika, c'est le fait d'abattre, pas en passant par la mafraquette, par la nuque, et de couper jusqu'à qu'on arrive au Simanim. D'accord ? Il a fait ça, la Torah l'a dit, tu fais ça avec ton ongle. Le Kohen, lui, il était trop douillet, il a pris un couteau pour faire ça. Donc il a invalidé la Melika, mais il n'a même pas abattu l'animal avec l'acte requis. De ce fait, il va véhiculer l'impureté. D'accord ? Malak Bismol. Mais Malak Besakin a fait la Melika avec un couteau. Ou encore, Malak Choulin Bifnim. Il a fait la Melika de Choulin Bifnim. Il a fait la Melika à un oiseau. Il est venu, on va dire par exemple, il est au Beth Amikdash avec, il était venu avec deux pigeons. Un pigeon pour en faire une Ola Taouf. Et un autre pigeon, c'était son repas du soir lorsqu'elle allait rentrer chez lui, il comptait l'abattre. Et il s'est trompé, le Kohen, il a pris le Choulin, le pigeon profane, et il a fait la Melika à lui. On va réaliser l'erreur, on va dire, oh là là, on s'est trompé. Bon bref, quelqu'un il va manger maintenant ce pigeon. Est-ce que il est taref ou il n'est pas taref? Réponse de la Mishnah, oui, il est taref. Étant donné que là, il n'a pas été abattu selon l'acte, l'action que la Torah requiert. La Torah te demande de faire une shrita sur un choulin, tu as fait une melika. Idem encore, ve kodashim bachutz. Voilà, c'est rapporté ici. Il a fait la melika de kochim, il avait un animal, un pigeon kadosh, mais en dehors du Beth Amikdash. Et à lui, il a fait la melika en dehors du Beth Amikdash, puisque ce n'était plus le lieu où ça devait être réalisé. Alors c'est fait que ce n'est plus du tout une melika. D'accord ? Je fais juste un petit détail. Ok. D'accord. C'est un rituel, vraiment, le rituel de la Melika, ça se restreint finalement dans l'enceinte du Beth Amikdash avec les animaux concernés uniquement. Et donc c'est plus, dès que c'est plus un animal concerné, la Melika fait que l'animal, il a été abattu sauvagement, mais sûrement pas avec l'abattage rituel que la Torah demande. D'accord. À la différence de celui qui se trompe dans les heures, ou dans la nuit, ouais, la nuit, ou avec la main gauche, que malgré tout, concrètement, l'animal a trouvé la mort par le rituel que la Torah a demandé, même si pour des conditions extrinsèques, alors l'animal et le corban il est invalidé. Ok, c'est le principe de la Mishnah. Ensuite, on continue. Donc on a fait Malak Besakin, Malak Cholin Bifnim, Bekodashim Bachutz. Dans tous ces cas-là, le corban, l'abattage rituel est complètement faussé, mal réalisé, donc le pigeon véhicule une impureté. Idem encore, Torin Sheloi Giaz Manan. Des taurines, des tourterelles. Sheloi Giaz Manan, dont le temps de les égorger n'est pas encore arrivé. Elles étaient encore trop petites. Comme on a dit, des tourterelles, elles doivent être grandes. Plus qu'un an. Tandis que pour les pigeons, au contraire, il y a marqué Bnei Yona. Donc, ou Bnei Yona Sheavar Zmanan. Ou encore des Bnei Yona, des pigeons, mais Sheavar Zmanan qui ont dépassé la limite de temps donné qui est de 1 an, si je ne me trompe pas, hein, j'espère. Ça n'a pas été précisé. En tout cas, c'est 1 an, je crois que ça, je me souviens trop l'île, 1 an, 13 mois, j'ai un doute. Je crois qu'il y a un mois intermédiaire ou Trilatatsi ou Kacher ou Zé. Bon, peu importe, on va dire moins de 1 an et plus que 13 mois, d'accord? Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Ensuite, ou Bnei Yona Sheavar Zmanan, donc ça on l'a fait, ou encore Sheyavash Gapa. Il y a 3 cas de figure là maintenant. Sheyavash Gapa, qui avait une aile qui était complètement paralysée, Yevesha, sèche, asséchée, il ne pouvait plus l'utiliser. Veshenismet Ena, il lui manquait un œil qui ne fonctionnait plus. Veshenikteha Ragla, il lui manquait un pied. Dans tous ces cas de figure, il faut savoir que pour les korbanot ha'of, pour les korbanot qu'on apporte avec les volailles, alors, la Torah, elle est très permissive par rapport aux moumines, aux défauts des pigeons, des volailles spécialement. Il y a des halakhot très strictes pour les défauts, les moumines, ce qu'on appelle les moumines, des animaux, des vaches et des moutons, mais pas pour les pigeons.
Pour les pigeons, la Torah est très permissive, mais il y a une chose qui est invalide, c'est s'il lui manque un membre entièrement, il lui manque un pied, il lui manque une aile, ou même une aile qui ne marche plus. Là, c'est un moum trop grand, donc c'est complètement... Donc, il s'avère que maintenant, ce pauvre pigeon ne peut sûrement pas être une Ola. Même si tu l'as rendu kadosh, et tu l'amènes au Beth Amikdash, mais tu vois bien qu'il lui manque un pied, ça ne peut pas être une Ola. De ce fait, si tu l'as bats avec le rituel de lui faire la Melika, sache que tu l'as rendu... sache que c'est devenu un animal taref complètement, parce qu'il était complètement exclu. Un tel animal ne pouvait pas encaisser une Melika, il devait nécessairement avoir une Shrita pour être pur. Donc, Metama Bebet Avliya, dans tous ces cas de figure, ils impurifient dans le Bet Avliya lorsqu'ils passent dans le gosier. J'espère que ça a été clair, les mots ne sont pas venus naturellement. Il y a des jours comme ça, ça vient pas, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà recommencé le cours 3 fois, ça fait plus d'une heure que j'ai dessus. Zé Aklal, telle est la règle. La Mishnah conclut avec une généralité en me disant Kol Shaya Psula Bakodesh, Ena Metama Bebet Avliya. Lo Haya Psula Bakodesh, Metama Bebet Avliya. Tout korban dont le psoul, la cause qui l'a invalidé, était juste un problème de gdusha, des conditions requises par rapport à la manière de procéder, par rapport aux heures, au temps, la manière de lui faire la gdusha comme il fallait. Alors, dans ce cas-là, malgré tout, tu as gagné que l'abattage, la manière de l'abattre, il a été fait comme la Torah l'a requis. Certes, les conditions externes n'étaient pas rempli, donc de ce fait le korban il a été invalidé, mais malgré tout tu as fait l'acte qu'il fallait, donc dans ce cas là il ne va plus rendre impur si on le mangeait. Pourquoi? Parce que c'est plus un animal qui est mort par voie naturelle ou parce qu'il a été abattu sauvagement, mais il a été abattu comme le rituel de la Torah l'a demandé par rapport à l'action elle-même, même s'il y a eu des causes extrinsèques qui ont fait que malgré tout le korban il a été invalidé. À la différence de l'Ohayab Sula Bakodesh, par contre, si la cause de son invalidité n'a pas été due à un problème dans la manière de faire la Gdusha, c'est-à-dire dans la manière de présenter le Korban, mais qu'il a été complètement exclu du problème, tu l'as battu comme la Torah ne t'a pas demandé de le faire en fait, ça s'appelle que c'est plus un Psul Bakodesh, c'est plus un problème de Marshava, ou d'heures, de manières de procéder dans le korban. Non, tu étais complètement exclu, tu as fait n'importe quoi. Tu as pris un animal qui n'était pas apte à être un korban et tu l'as battu de la sorte. Dans ce cas-là, Metama Bebet Abliya. Il va rendre impur, il va véhiculer l'impureté si on le mangeait. Ok ? Et la Mishnah conclut en me disant encore, de ce fait, Vechol Apsulin Shemalku, toute personne pasoul à faire un korban. Par exemple, moi, je ne suis pas un Kohen. J'étais au Beth Amikdash et j'ai voulu moi aussi faire la Melika. Je me suis mis à prendre mon ongle et à tuer l'animal. De la sorte, j'ai fait la Melika parfaitement comme il se doit. Le seul problème, c'est que je ne suis pas Cohen. Est-ce que l'animal pourra... Il ne peut pas être consommé, c'est sûr. Si on va manger de la chair de ce pigeon, est-ce qu'à présent, est-ce qu'il va véhiculer une impureté ou non? On en a fait plein d'avérotes, mais est-ce qu'on sera même devenu impur ou non? C'est la problématique de la Mishnah, elle me dit comme ça. Vechol Apsulin Shemalku, toutes les personnes inaptes à faire la Avoda, qui ont fait la Melika, Melikatan Psula, certes, leur Melika va invalider le Korban, mais malgré tout, Ve'einan Metam Ot Bebet Abliya, ils ne vont pas désormais... Le pigeon abattu ne va plus véhiculer l'impureté lorsqu'il sera consommé. Pourquoi? De nouveau, selon le même principe. C'est assez délicat de trouver la généralité exacte, parce qu'en fait, le principe en tout cas, là de nouveau, on le retrouve, l'animal, intrinsèquement, il a été abattu comme la Torah le requiert de le faire. Par rapport à l'acte lui-même, il a trouvé la mort, ni de manière naturelle, ni sauvagement, mais il était abattu par le rituel. Maintenant, les conditions requises pour le rituel ont été mal remplies. De ce fait, l'animal est devenu impur. J'étais un étranger, j'étais un zar, j'étais pas un Kohen. C'était la nuit, c'était... le Kohen, il l'a fait avec la main gauche. Mais malgré tout, tel animal devait être abattu de la sorte par rapport à l'action en lui-même. Donc de ce fait, il ne véhicule plus l'impureté. J'espère que ça a été assez clair. Je vous souhaite une journée pleine de la Zahra Kol Tov.